comme ça. Hey, plus fort. BHN, comme ça. Thank you very much, BHN. I am great. Merci beaucoup, BHN. Le programme entrepreneurial agro-pastoral PAJEUNE finance les jeunes à hauteur de 3 millions de francs. Non remboursable. Et tout comme ce programme, il existe une multitude d'autres programmes qui financent des jeunes, des coopératives ou encore des GIC. J'ai moi-même vu des coopératives être financées à hauteur de 60 millions de francs. Encore non remboursable. Mais combien bénéficient réellement de ces financements-là? Très peu. Simplement parce que les uns et les autres n'ont pas accès à l'information. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder pour bénéficier d'un financement d'une valeur de 3 millions de francs de la part du programme entrepreneurial agro-pastoral PAJEUNE. Alors maintenant, nous allons parler des financements au Cameroun. Particulièrement, nous allons parler du programme entrepreneurial agro-pastoral PAJEUNE. Déjà, comme je disais dans l'introduction, le centre communal KMC Formation Agro-pastoral de Bafia est devenu un incubateur d'entreprise où nous formons des jeunes. Et ces jeunes, après, ont ce qu'on appelle l'insertion socio-professionnelle. Et grâce au programme entrepreneurial agro-pastoral jeune PAJEUNE, vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir une formation gratuite, c'est-à-dire ce programme prend en charge la formation. Vous êtes logé, vous êtes nourri et vous avez 12 modules de formation, à savoir l'éducation à la citoyenneté, l'orientement moral, l'éducation financière, le leadership entrepreneurial genre féminin. Vous avez également la formation en TIC. Vous avez la formation en technique agro-pastorale, c'est-à-dire selon ta filière choisie, en agriculture ou en élevage. Vous avez les formateurs, les ingénieurs agronomes qui vous forment dans les techniques. Et en plus, vous allez monter un plan d'affaires. On va vous aider à monter votre business plan. Ce business plan qui sera bancable. Il a noté que le PAJEUNE finance les jeunes à partir de 3 millions jusqu'à 5 millions. Et nous avons à date déjà formé près de 450 jeunes ou 280 ont déjà reçu leur financement et les autres sont en attente de financement. Ceux qui viennent de sortir les cohortes 9 ici à KMC Bafia. Donc, et sans vous mentir, c'est déjà proche. Tout le monde aura ses 40%. Le PAJEUNE finance le jeune dans son 10%. Le programme encourage avec 40% et la banque ou l'IFS 50%. Donc, nous vous encourageons à venir nombreux, vous former, parce que le PAJEUNE fait ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Et ici à KMC, nous vous formons. Et vous allez également comprendre qu'il y a le suivi accompagnement qu'on appelle le business coach, le business coaching. Ce business coaching, le coach vient vers le jeune jusqu'à ce que ce jeune devienne autonome. Lorsque son entreprise sera pérenne, le coach peut laisser le jeune continuer, voler de ses propres ailes. Donc, nous vous encourageons. Parce qu'il y a encore des places, il y a des places. Et le PAJEUNE est là. Et en plus du PAJEUNE, il y a beaucoup d'autres programmes. Parce que nous sommes déjà un centre agréé avec le MINMESA. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Venez vous faire former et l'avenir est devant. Bien, à présent, nous allons passer à la phase des témoignages. Témoignages de quelques jeunes qui ont eu à bénéficier, n'est-ce pas, de l'appui de ce programme-là. Mais avant cette phase, j'aimerais vous rappeler que la dame qui vient de nous édifier au sujet du programme entrepreneurial agro-pastoral PAJEUNE possède un centre de formation agro-pastoral situé dans la localité de Bafia. C'est au Cameroun, dans la région du centre. Et dans ce centre de formation, vous allez retrouver une serre, un poulailler moderne pouvant accueillir jusqu'à 3000 sujets, une porcherie, plusieurs bacs piscicoles et un terrain de plus de 5 hectares. Tout ceci pour vous assurer une formation à 80% pratique. Le centre dispose également d'un dortoir et d'une cuisine équipée. Ça veut dire que même si vous sortez du fin fond de l'extrême nord, ou alors même si vous venez d'un autre pays, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et j'en passe, vous pourrez jusqu'à la fin de votre formation y passer toutes vos nuits. Et comme elle vous l'a spécifié d'entrée de jeu, lorsque vous vous faites former dans ce centre,
vous pouvez avoir la chance de bénéficier d'un financement. Ça peut être le financement du PA Jeune ou alors celui d'un tout autre programme. Et dans le cas où vous n'avez pas cette chance, croyez-moi, vous aurez au moins eu une formation de qualité. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Mbondi Charlotte, jeune du PA Jeune de la Corse. Je me suis fait former et voilà le beau cadeau que j'ai eu après ma formation. Je suis vraiment très contente d'avoir ces magnifiques corps. Là, c'est Blacky. Là, comme ils sont, bon, c'est une race, les deux, là, c'est, on l'appelle Topic. Je les appelle Gengeru parce qu'ils sont blancs. Et ici, c'est James. Là, c'est Minette. Et là, c'est le petit Papou. Je les aime tous et je suis vraiment fière de les encadrer. Je me suis fait former à KMC, à la petite KMC ici à Bafia. Ça se situe au niveau des gens de prière. Vraiment, j'encourage mes frères et sœurs, même de Tonouboum, du Bamiyinoubou, qu'ils aillent aussi se faire former là-bas. Vraiment, c'est une formation de qualité. Wow. Je remercie vraiment le gouvernement et surtout la maman, KMC, qui veut dire Kegeni Marie-Claire. J'aimerais que mon mari aussi m'accompagne dans cela. Merci beaucoup, merci. Bonsoir tout le monde. Qui aurait cru? Vraiment, KMC, merci. Qui aurait cru? En fait, au départ, c'était un peu comme du blabla. Mais voilà les sujets, voilà la réalité. Observez vraiment le programme KMC. Je vous remercie mille fois. En fait, je ne saurais. C'est incalculable. Et vraiment, c'est inédit. J'encourage tous les jeunes départements du BAM et Inoubou à y faire un tour. Là, c'est du sûr. Ce programme, vraiment, est très fiable. C'est pour accompagner les jeunes issus de toutes sortes de couches sociales. Pas de distinction. Vraiment, je remercie le programme KMC, je remercie le gouvernement. Observez, c'est une réalité. Vraiment, les mots me manquent. Tout ce que je demande aux jeunes comme nous, c'est d'y croire. Allez, frère. En passant comme ça, le PA Jeune est venu redonner du sourire, du blason aux couches démunies comme nous. Nous sommes convoités, nous sommes un maillon très ciblé par les jeunes quand ils voient tout ce qui est en train de se passer ici. PA Jeune. Comme ça. Eh, hey, plus fort. PA Jeune. Comme ça. Thank you very much, PA Jeune. I am great. Merci beaucoup, PA Jeune. Bonjour à tous. Moi, c'est Mounia Lamekandounier, jeune entrepreneur agro-pastoral. J'ai suivi l'incubation à KMC pour être financé par le programme PA Jeune. Et comme vous pouvez le constater, je suis déjà à ma deuxième banque comme ça, de 150 projets. La première s'est déroulée en décembre et nous voici déjà ici presque au terme de l'élevage de celle-ci. Donc, tout a commencé comme je cherchais, n'est-ce pas, quoi faire, puisque c'est vraiment chaud, c'est vraiment difficile. Donc, j'ai vraiment cherché cette structure et par rapport à tous ces programmes, j'ai eu un camarade qui m'a parlé de ça. Je suis parti maintenant faire la connaissance de l'entreprise KMC et qui m'a aussi introduit au programme PA Jeune. Donc je remercie d'abord KMC elle-même et son entreprise et toute son équipe et surtout le programme PA Jeune qui a fait de ce que vous pouvez voir là maintenant, de moi ce que vous pouvez voir là maintenant. Et je tiens à demander au programme PA Jeune de continuer de financer les jeunes parce que dans ce contexte actuel où vraiment la pauvreté et le chômage est très élevé. Nous voulons nous tous sortir de cette pauvreté précarité. Okay. Actuellement, je vous présente mon bâtiment vu de l'extérieur qui est sur 10 mètres de long et 5 mètres de large. Et ça a une capacité de 500 personnes. Je me nomme Dimo Mwangando Onila. Très heureuse d'avoir été formée par la structure KMC. Ce qui a été un privilège pour moi d'avoir ces 500 poussins qui me seront un jour, qui m'aideront un jour à devenir un grand entrepreneur. Je remercie aussi le PA Jeune pour l'opportunité qu'ils m'ont permis d'avoir. Merci beaucoup à vous. Je vous présente mes tout petits poussins et ils sont 500 et tout ceci c'est grâce à vous. Et merci au PA Jeune qui donne le sourire, hein? Je vois votre sourire. Le sourire aux jeunes. Ok, merci beaucoup.
Bon courage. Merci.